שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה. מסכת עירובין דף י"ג. דניאל לינג' דף דבון. משום רבי ישמעאל אמר או תלמיד אחד, רבי עקיבא אומר על זה ועל זה נחלקו. סבסבור צור נותחו משנה, כונה וביא דון לדף י"א. כונה וביא לבין מחלוקת נותחו בית שמאי אה בית הלל. וסוג'י ג'ו מבוי, נוק לאוריאל למפס, כי סור ג'ו רשות ערבים. אלא ויבין מחלוקת אותך בית שמאי ובית הלל, דוקל פסון פובל הפרמה, דוקל פסון ובל הספרי ג'ו רשות הרבים. עם פורס קונספורטי על אנטריאר. דבחי בית שמאי, יפודרי אין לכי, אין קורה, סג'ר אין פוטח שיר לאור, אין פלנש שיר לקוטה. דבחי בית הלל, שפי דו אוביין אין לכי, אוביין אין קורה, יפה בזון דדו. שיר סער רבי עקיבא היא דבנו דון המשנה. סקיזמר, שיר סער, רבי ישמעאל היא לג'י, un talmid il a dit au nom de Rabbi Ishmael devant Rabbi Akiva que cette machloquette elle ne se rapportait pas sur une ruelle qui faisait moins de 4 amotres de large, dans laquelle, d'après tout le monde, et d'après Bet Shammai et d'après Bet Hillel, suffisait ou d'un lechi ou d'une kora, il n'y avait pas besoin des deux. Donc ça, c'était ce qu'on a vu dans la Mishnah, et la Mishnah, elle terminait, elle a dit que, au nom de Rabbi Akiva, que non, qu'il n'est pas d'accord avec ce talmid, et qu'il y a une machloquette et sur un grand mavoy large de plus de 4 amotres, et sur un mavoy moins large que 4 amotres, donc en fait, comme Tanakama. Et là, la Gemara, elle pose la question, Rabbi Akiva inu Tanakama, Rabbi Akiva, en fait, il est d'accord avec Tanakama, que Bet Shammai et Bet Hillel, ils sont en machloquette dans tous les cas. La Gemara, elle dit, donc pourquoi en fait il y a besoin de citer ce Rabbi Akiva? Agmara dit, Ika Benayou, il y a quand même une afkamina entre Tanakama et Rabbi Akiva, bien que les deux ils sont d'accord, que Bet Shammai ou Bet Hillel ils sont en machloquette, dans tous les cas. C'est quoi la nafkamina? De Rav Achle veitema Rav Yechiel, sur la, ce qu'il a dit Rav Achle, il y en avait qui disaient que c'était Rav Yechiel. Ça, ça dépendra de Tanakama et de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Achle? Il y en avait qui disaient Rav Yechiel. C'est ce qu'on a vu dans le daf d'avant, daf une bête, que, lui, il avait dit qu'un mavoy qui faisait moins de large que 4 tfachim, il n'y avait rien besoin pour le fermer. Il est considéré comme annulé. Il n'y a pas besoin de le fermer ni avec un lechi ni avec une kora. Et ça, c'est ce qu'il a dit Rav Achle. La Gemara a dit, cette halakha-là, elle dépend de l'achlokat entre Rabbi Akiva et Tanakama. Maintenant, qui a dit quoi? Est-ce que Tanakama, c'est lui qui permettait et qui disait qu'il n'y avait rien besoin de faire dans un mavoy moins de 4 tfachim? Ou bien, c'était Rabbi Akiva, lui, qui disait ça. La Gemara a dit, velo mesaime, on ne sait pas qui disait quoi. En tous les cas, cette machloquette, cette halakha de Rav Achle, elle dépend en fait de la machloquette entre Rabbi Akiva et Tanakama. Tanya, la Gemara le ramène une braïta. Ama Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il a dit, lo ama Rabbi Ishmael d'avoir dit. C'est pas Rabbi Ishmael qui a dit cette chose-là, que ce Talmid, en fait, il disait en son nom. Que Rabbi Shammai et Bet Hillel, ils n'étaient pas en machloquette sur un mavoy qui faisait moins de 4 amotes de large. Et là, seulement au Talmid Amar Davarze, c'est ce Talmid qui a dit ça, cette chose-là, et c'est pas vrai que c'est Rabbi Ishmael qui l'a dit, parce qu'en fait, Rabbi Ishmael, il disait pas une chose qui n'était pas logique comme ça. Comme ça, Rabbi Akiva, il dit. Et Rabbi Akiva, il termine, et il dit, va à l'acha qui est au Talmid. Et quand même, la l'acha, elle est comme ce Talmid-là. Donc, moi, je pose tout de suite la question, Agufa Kashia, c'est une contradiction dans tes propres paroles. Amartlo, Amar Rabbi Ishmael Davarze, tu viens de dire que c'est impossible de dire que Rabbi Ishmael, il a dit une chose pareille. Et Al-Malet il chéta kevet, c'est-à-dire que c'est pas une chose logique, et la halakha elle est pas comme ça. Ve'adar Amar, tu finis ta phrase en disant, halakha ke auto talmid, que la halakha elle est quand même comme ce talmid-là, que Bet Shammai Bet Hillel n'était pas en machloket sur un mavoy de moins de 4 amot, ça veut dire que c'est oui logique. Comment comprendre ta phrase? Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Rabbi Yehuda est dit au nom de Shmuel, effectivement, lo Amar Rabbi Akiva, elle a le chadet ba talmidim. Behemet Rabbi Akiva il pense que c'est pas logique. Pourquoi Rabbi Akiva il a dit que la halakha elle est comme ce talmid-là? Il pensait pas vraiment dire, il pensait pas qu'il était vraiment possèque comme ça, la halakha. Juste, il voulait, en fait, aiguiser ses élèves, en leur disant une chose, en leur disant, que la halakha, elle est comme lui, pour qu'en fait, ils essayent de réfléchir, de trouver quand même une raison, pourquoi, il aurait raison, ce talmid-là, qui a dit ça au nom de Rabbi Ishmael, mais Behemet, c'est Rabbi Akiva, il pensait pas que c'était ça, la halakha. Rabbi Nachman Bar Yitzchak Amar, Rabbi Nachman Bar Yitzchak, lui, disait que, oui, c'était ça, la halakha, nirim itma. Behemet, c'est que, ces paroles-là, quand Rabbi Akiva, il a dit, Rabbi Akiva, il voulait dire que Behemet, Rabbi Ishmael, peut-être lui, il n'a pas dit ça. Et quand ce Talmid-là, il a dit ces choses-là, au nom de Rabbi Ishmael, c'est pas vrai, parce que Rabbi Ishmael, il n'a pas dit ça.
C'est-à-dire, je sais que Rabbi Ishmael, il n'a pas dit ça, mais en fait, il a raison, c'est logique ce qu'il dit. Mais ben, Rabbi Akiva, il ne voulait pas dire que ce n'était pas logique. Au contraire, Rabbi Akiva, il voulait dire que c'était lui logique ce qu'il a dit, bien que ce n'est pas Rabbi Ishmael qui l'a dit. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi dit, Kol makom shata motse, Mishum Rabbi Ishmael, Amar David Echad, Lifne Rabbi Akiva, à chaque fois qu'on voit dans le chaf que un Talmid, il a dit en nom de Rabbi Ishmael devant Rabbi Akiva, il a dit une parole de Rabbi Ishmael devant Rabbi Akiva. C'est qui ce Talmid-là? Et Noéla Rabbi Meir. En fait, on parle de Rabbi Meir, que lui, Shimesh de Rabbi Ishmael, va être Rabbi Akiva. Qu'il a, en fait, il a été Meshamesh. C'est-à-dire, il a étudié chez Rabbi Ishmael et chez Rabbi Akiva. Et donc, au départ, quand il était chez Rabbi Ishmael, il a entendu des Halachot. Et quand il est arrivé chez Rabbi Akiva, il disait des Halachot au nom de Rabbi Ishmael devant Rabbi Akiva. Netanya, comme ce qu'on voit dans une braïda aussi. Amar Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit que j'ai été à Rabbi Ishmael, quand je étudiais chez Rabbi Ishmael, Haïti metil kankantom le tochadio. Je versais dans l'encre, c'était un sofer, et il raconte qu'il versait dans l'encre noire, il versait en fait une peinture noire. En fait, cette peinture, elle fait que ça ne s'efface pas. Les lettres ne s'effacent pas, et il reste tout le temps. Même si l'encre va s'enlever, il va rester tout le temps en fait un reste de la lettre, et tout le temps on va voir qu'il y avait une lettre à la forme de cette lettre. Donc c'est comme ça que je faisais. Velo Amar Li Davar. Et Rabbi Ishmael, lui, quand il a vu, même s'il voyait que je faisais ça, il m'a rien dit, il m'a pas empêché. Chez Bati et Rabbi Akiva, quand je suis venu étudier chez Rabbi Akiva, Asara Alai, il m'a interdit de mettre ce Chokan Kandom dans l'encre. Et donc, on voit en fait dans cette braïta que d'abord il a étudié chez Rabbi Ishmael, ensuite il a étudié chez Rabbi Akiva. Maintenant, la Gemara pose la question. Eni, pourtant, il y a une braïta qu'on voit l'inverse. On voit l'inverse de deux façons. Enfin, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Pourtant, Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel. Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir. Que Rabbi Meir, il disait, que j'ai été l'omède et tel Rabbi Akiva, quand j'étudiais chez Rabbi Akiva, a été matil ken kantam le tochadio. Velo Amar Lidavar. Que je mettais le cancantum dans l'encre, et Rabbi Akiva, lui, il m'a rien dit. J'ai bâti chez Rabbi Ishmael, et quand je suis venu étudier chez Rabbi Ishmael, à Marli, il m'a dit, Benim Amelartecha, il m'a dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais? Amarlo, Amartilo, quel est ton travail? Amartilo, je lui ai répondu, Lavlarani, je suis un sofer. Amarli, il m'a dit, Beni, mon fils, Eve Zahir Bemelartecha, fais attention dans ton travail, chez Melartecha, Melechet Shamaimi, parce que c'est un travail de Adachem, un travail kadosh de Kdusha. Et fais attention, Shema Atamechaser Otachat, Omeyater Otachat, de peur que tu vas écrire une lettre de plus ou une lettre de moins, Nimtseta Machriv et Taolam Kulo, et il se trouve que si tu vas en fait enlever une lettre ou écrire une lettre de plus, alors là tu vas détruire tout le monde, parce qu'en fait les gens, ils vont croire que cette lettre-là c'est une lettre de Torah, et ils vont y croire, et en fait c'est pas une lettre de Torah, et ça peut changer le sens des choses, et ça peut détruire le monde, parce que les gens ils vont croire dans quelque chose qui n'est pas la Torah. Ou bien ils vont comprendre, et s'il manque une lettre, ils vont leur manquer une lettre de Torah, et ça détruit le monde. Amartilo, je lui ai répondu, quand il m'a dit ça, que fais très attention, Amartilo, je lui ai répondu, d'abord, j'ai une chose qui m'aide, et c'est ce kankantam en question qu'on peut verser, qu'on peut mettre dans l'encre, j'anime et il est radio que je mets dans l'encre, et donc et ça et donc de cette façon-là je résous les problèmes. La Gemara va expliquer en quoi ça résout les problèmes. Amarli, il m'a dit quand j'ai dit ça en fait à Rabbi Ishmael, il m'a dit vechim et ilin ken kantom le tochadio. Est-ce que on a le droit de mettre du ken kantom dans l'encre? Valo Amra Torah, pourtant la Torah elle a écrit vekatav au sujet de la paracha de la sota qu'on écrivait à la sota. Et qu'il fallait la verser, mais il fallait mettre cette paracha dans l'eau, et que cette paracha elle s'effaçait dans l'eau qu'on donnait en fait à boire à la soda. Et la Torah là-bas elle nous dit Vekatav, il va écrire cette paracha, ou Macha, et il va l'effacer dans l'eau. Et on fait une drasha d'ici, Rabbi Ishmael il fait une drasha, Ktav sheyachol imchot. Il faut que ça soit une écriture qui peut s'effacer. Et alors, quand tu mets du kankantom dedans, ça ne peut plus s'effacer. Et donc, il dit là, il apprend à Rabbi Ishmael qu'il faut que ça soit apte à être effacé. Et donc, comme ça, il dit à Rabbi Ishmael, à Rabbi Meir, pourquoi tu mets du kankantom? On n'a pas le droit de se mettre du kankantom dans l'eau.
Agmara, elle pose la question, elle juste, elle ouvre une parenthèse, elle dit Maïka Amarle ou Maïka Amaderle. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi Ishmael? Et en quoi Rabbi Meir, il lui a répondu que s'il met ce cancantum dans l'encre, alors là, il n'y aura plus de problème. Achika Amarle, ainsi qu'il lui a dit, Lomi Baya, de Chaserot, Veiterot, de Lotaina, de Bakiana. Non seulement, dans une lettre de plus ou une lettre de moins, que je me trompe pas, je ne m'écris jamais une lettre de plus ou une lettre de moins, de Bakiana, ce que je connais très bien, je suis un connaisseur. Et là, Filou, même, Mechash Lesvouv, Namid, même, j'ai une solution même à ce rachage là, à cette chose là, que peut-être va venir un moustique, et Dilma Ate, peut-être qu'il va venir, Veyati va taguer des dalettes, et qu'il va s'asseoir, se poser sur le bout du dalet, ou Machikle, il va l'effacer, ou Machvele Resh, il va le transformer en Resh, parce que c'est un tout petit bout qui dépasse du dalet, que c'est ça qui fait la différence entre le dalet et le Resh. Et même ça, même pour ça, j'ai une solution. C'est quoi ma solution? D'avoir echad yeshli, j'ai une chose. Le cancantum chez moi, c'est le cancantum. J'ai animéti le tochadio, que je mets ça dans l'encre. Et que là, même si en fait, même s'il va venir un moustique et il va effacer en fait le petit bout du dalet, il va rester quand même un rochem, il va rester quand même la forme du dalet, parce qu'en fait, le cancantum, il fait que ça s'efface pas entièrement. Et comme ça, Rabbi Meir, en fait, il a répondu à Rabbi Ishmael. En tous les cas, maintenant qu'on a fini d'expliquer cette braïta, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit deux choses. Que d'abord, Rabbi Meir, il a étudié chez Rabbi Akiva, et ensuite, il a étudié chez Rabbi Ishmael. C'est l'inverse de ce qu'on a dit avant, que d'abord, il a étudié chez Rabbi Ishmael, ensuite, il a étudié chez Rabbi Akiva. Ça, c'est une contradiction. Deuxième contradiction, on a vu dans la première braïta que c'était en fait Rabbi Ishmael qui lui a rien dit, qui lui a pas empêché de mettre du cancantum. Et c'est que après, quand il est arrivé chez Rabbi Akiva, que c'est lui qui l'a interdit. Or ici, on voit que c'est l'inverse, c'est Rabbi Ishmael qui lui a interdit. Et c'est là que la Gemara dit caché à Shimush, à Shimush, caché à Sarah. Il y a deux contradictions. Et qui est-ce qui a servi en premier, à qui il a étudié en premier? Et qui est-ce qui lui a interdit qui est-ce qui lui a interdit? Est-ce que c'est Rabbi Ishmael ou Rabbi Akiva? C'est une contradiction entre le débraïque. La Gemara, elle répond, elle dit Bishlam, Shimush, à Shimush, ou caché à. La question de la contradiction sur qui est-ce qui chez qui il a étudié en premier, ça je peux te répondre. Mi karata le kamed Rabbi Akiva, qu'au départ il était bémet, il a commencé à étudier chez Rabbi Akiva. Umidelom a-t-il aimé kamalibé, et puisqu'il n'arrivait pas à comprendre le omek, la profondeur des paroles de Rabbi Akiva, alors là, ata le kamed Rabbi Ishmael. Il est allé étudier chez Rabbi Ishmael, vegamar gmara, et il a étudié la chot de base pour qu'il puisse, pour qu'il ait quand même une connaissance de base. Et ensuite, il est retourné chez Rabbi Akiva, chez Savar Svara, pour comprendre les logiques et les Svarot et le Yun de Rabbi Akiva. Et donc, en fait, là, il a commencé chez Rabbi Akiva, il a continué chez Rabbi Ishmael, ensuite, il est retourné chez Rabbi Akiva. Donc, c'est pour ça qu'une fois, on a vu, en fait, qu'il a commencé, dans une braïta, on a vu, en fait, qu'il était d'abord chez Rabbi Akiva, ensuite, il est parti, qu'il était d'abord chez Rabbi Ishmael, ensuite, il est parti chez Rabbi Akiva. Et parce qu'en fait, on parlait du deuxième cran. Et dans l'autre braïta, on a vu que d'abord, il était chez Rabbi Akiva, ensuite, il était chez Rabbi Ishmael, parce que Bémet, il a commencé tout au départ chez Rabbi Akiva. Donc ça, je peux répondre à cette contradiction. Mais et là, Sarah, Kashia, mais la contradiction qu'une fois, on voit que c'est Rabbi Akiva qui l'a empêché de mettre du cancantum dans l'encre. Et une fois, on a vu que c'est Rabbi Ishmael qui l'a empêché. Et sur ça, Bémet, c'est une contradiction. À la Gemara, elle dit Kashia, Bémet. On reste avec cette contradiction, on n'a pas de réponse à cette question. Tania Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, Rabbi Meir Aya Omer, Rabbi Meir il disait, la kol metilim tam kantam le tochadio, dans toutes les parachutes de la Torah, on peut écrire avec une encre dans laquelle on a mis du kan kantam, chutz mi parachat sota, sauf la paracha de la sota dans le Sefer Torah, sur laquelle on ne peut pas mettre du kan kantam. Pourquoi? Parce que dans la paracha de la sota, il faut qu'elle soit apte à être effacée, comme ce qu'on a vu, que la sota, donc la sota en fait c'était une femme que son mari la soupçonnait qu'elle a eu un rapport avec une autre personne, parce qu'elle s'est enfermée avec lui, et la Torah elle nous dit que dans ce cas-là, on va en fait l'amener au Beth Amikdash, et on va la faire boire de l'eau dans laquelle on a effacé cette paracha de sota, et cette femme-là, elle va boire,
et cette eau-là, elle va nous dévoiler est-ce que Bémet, elle a eu un rapport avec lui, parce que si elle a eu un rapport avec lui, elle allait gonfler et s'éclater, et c'est, ça c'est la paracha de la Sota. Et donc là, dans la paracha de la Sota, il faut qu'elle soit apte à être effacée dans l'eau, et donc il ne faudrait pas qu'il y ait de kankantom, donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Meir, que la paracha de la Sota de la Torah, il faut qu'elle soit écrite sans kankantom. Rabbi Yaakov, Omer Bishmo, Rabbi Yaakov dit au nom de Rabbi Meir, Chutz mi parashat Sota sheba Migdash. Lui, il dit, la paracha de Sota qu'il a écrit dans le Sefer Torah, il n'y a pas de problème qu'elle soit écrite même avec du kankantom, parce que ce n'est pas elle qu'on la prenait pour c'est pas cette paracha qu'on prenait pour l'effacer, pour faire boire la Sota. C'est que la paracha de la Sota qu'on écrivait à une femme bénette qui venait au Bazar Migdash. On lui écrivait une paracha spéciale pour elle, la paracha de la Sota, pas du Sefer Torah. Et donc, cette paracha-là, il faut qu'elle soit peut-être effacée. Pas la paracha du Sefer Torah, dans le Sefer Torah. Bye ben ayou. La Gemara dit, c'est quoi leur machloket? Amar Avirmiya. Avirmiya, il dit, l'imchok la minatora. Est-ce qu'on peut, bémet, une sota qui vient à Vatamigdash, dans un cas où elle doit boire cette eau-là, est-ce qu'on peut, utiliser la paracha de sota qu'il y a écrit dans le Sefer Torah pour, faire boire la femme, effacer dans l'eau et faire boire la femme cette eau? Est-ce qu'on peut faire ça? Ikra benayou. C'est ça la machloket. D'après Rabbi Yehuda, lui, il pense qu'on peut utiliser la paracha de la Torah pour faire boire la sota, qui est écrite dans le Sefer Torah. Et donc, il faudrait, c'est pour ça que même la paracha de sota qui est écrite dans le Sefer Torah, il faut qu'elle soit apte à être effacée. Et donc, on ne peut pas utiliser le kankantom. Alors que d'après Rabbi Yaakov, lui, il dit qu'on ne peut pas utiliser la paracha du Sefer Torah. Il faudra lui écrire une paracha spéciale pour la sota qui vient en Beth Amikdash. Mais la paracha du Sefer Torah, on ne peut pas l'utiliser pour ça, et donc il n'y a pas de problème du maître du Kankantom, même dans la paracha de Sota qui est écrit dans le Sefer Torah. Et la Gemara dit, et bien cette machloket, on la retrouve chez d'autres Tanaïm. Des Tanya. Et la Gemara dit, ramène une breita, en Megillah takshira, la shkot basota acheret. Une Megillah, la Megillah de Sota, donc la paracha de Sota qu'on a écrit pour faire boire une sota en telle. Alors là, on ne peut pas l'utiliser pour une autre sota. C'est-à-dire, si on a écrit une paracha de sota pour une femme, et ensuite, cette femme-là, on ne lui a pas donné à boire. Parce que, par exemple, elle a reconnu qu'elle a eu un rapport, effectivement, avant qu'elle boive. Et donc là, on ne la fait pas boire. Et donc, est-ce qu'on peut l'utiliser pour une autre sota qui est arrivée au Beth Amikdash? Là, Tanakama, il dit, on ne peut pas l'utiliser. Ravache Bar Yoshia Amar, Ravache Bar Yoshia, il dit, Megillata Kshera la Ashkot Basota Acheret. On peut utiliser la Megillah de Sota qu'on a écrit pour l'une, on peut l'utiliser pour une autre Sota. La Gemara, elle comprend que leur machloquette, si ils ont une machloquette, que la machloquette, elle est-ce qu'il faut que la paracha de Sota qu'on fait boire à la femme, est-ce qu'il faut qu'elle soit écrite pour cette femme-là qu'on a fait boire? Et donc, si Tanakama, il pense que, on ne peut pas la faire boire, ça veut dire qu'il faut que la paracha de Sota, du coup, il faut qu'on fait boire la femme, il faut qu'elle soit écrite l'Ishma en pensant à elle. Et donc, la paracha de Sota qui est écrite dans la Torah aussi, elle n'a pas été écrite pour cette un telle femme. Et donc, on ne pourra pas l'utiliser aussi. Alors que d'après Ravache Bar Yosha qui dit qu'on peut utiliser, on peut la faire passer de l'une à l'autre, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle soit écrite sur le nom d'un tel, d'une telle femme. Et donc, même la paracha de la Sota, on pourra l'utiliser, même la paracha de Sota qui est écrite dans la Torah, qui a pas été écrite pour la femme, quand même, on pourra l'utiliser. Donc, la Gemara dit, ça ressemble à la machloket de Tanaïm qu'on vient de voir. La Gemara dit, elle repousse et elle dit, non, c'est pas la même machloket. Amar Rafpapa, Rafpapa, il dit, Dilma Lohi, peut-être que c'est pas la même chose. Adkanoka Amar Tanakama Atam, tout ce qu'il a, en fait, il a dit là-bas Tanakama, tout ce qu'il a dit là-bas, Tanakama, qu'on ne pouvait pas l'utiliser de l'une à l'autre. Et là, Kevan de Intik Leshum Rachel, tout le Hadra Minetka Leshum Lea, puisqu'on a écrit cette paracha de Sota pour Rachel, alors c'est vrai qu'en fait, elle n'a pas utilisé, tout le Hadra Minetka Leshum Lea, mais on peut plus l'utiliser pour l'autre, puisqu'elle a été écrite pour une telle femme, alors là, on ne peut pas l'utiliser pour l'autre. Avalga Betora, mais de mettre la paracha de Sota qui est écrite dans la Torah,
de Stama Mikatva, parce qu'elle n'a pas été écrite pour une telle femme, elle n'a pas été écrite pour Rachel. Elle a été écrite Stam, sans penser à une femme spécifique. Achinami de Markinam, peut-être que celle-là, on peut lui l'utiliser pour faire boire une femme, puisqu'en fait, elle n'a pas été destinée pour une autre femme. Alors là, on peut l'utiliser pour une femme. Donc peut-être que même Tanakama, il pense que la parasha de la Sota de la Torah, on peut lui l'utiliser. Et donc, en fait, ça ressemble pas à la première maroquette qu'on a vue. Ça, c'est d'un côté. Et Rav Nachman Bar Yitzchak, Rav Nachman Bar Yitzchak, qui dit, d'un autre côté aussi, on peut pas faire ressembler. Dilma Lohi, peut-être que ça ressemble pas. Adkan Okam, Rav Achei Bar Yoshia, tout ce qu'il a dit Rav Achei Bar Yoshia, qu'on peut l'utiliser de Rachel à Léa. On peut faire passer la paracha de Sota d'une femme à l'autre. Hatam, c'est que d'une femme à l'autre. Elle a des irtives, mais Adleshum Sota Baolam, parce que ça a été écrit pour faire boire une sota. C'est vrai que c'était Rachel, mais on peut faire passer à Léa, parce que ça a été écrit, cette paracha, elle a été écrite pour faire boire une sota. Aval Gabé Torah, Deleit Lamed Ktiva. Mais la paracha de sota qui est écrite dans la Kol Halashon. La Torah, elle n'a même pas été écrite pour faire boire une sota. Elle a été écrite pour étudier la Torah, en tant qu'une paracha de la Torah. Deleit Lamed Ktiva, c'est écrit pour étudier. Achinami de l'Omarkinan, peut-être que ça, on ne peut pas l'utiliser pour faire boire la sota, pour effacer, pour faire boire la sota. Et donc, en fait, de cette façon-là, la Gemara a dit que cette machloquette, est-ce qu'on peut faire passer la paracha de sota de l'une à l'autre, elle ne ressemble pas du tout à la machloquette. Est-ce qu'on peut utiliser la paracha de sota du Sefer Torah pour faire boire la sota? Et donc, c'est aucun rapport. Et on a, en fait, cassé cette logique. En tous les cas, la Gemara, elle continue. Elle dit, Venetle le Rav Achei Bar Yoshia d'Etlan. Est-ce que Rav Achei Bar Yoshia, que lui, en fait, il permettait de faire passer la paracha de sota de l'une d'une femme à l'autre? Est-ce qu'il ne pense pas comme la Mishnah qui nous dit Katav get le garesh et isho? Une personne qui a écrit un get pour divorcer sa femme, Venimlach, ensuite il a regretté et il ne veut plus la divorcer. Et Umetsao Beniro, il a trouvé une personne de sa ville, ce get-là, il a dit Vermar Shimcha Keshmi, ton nom il est comme mon nom. Veshem Ishtecha Keshem Ishti, et le nom de sa femme aussi c'est le même nom que ma femme. Et alors là, il voulait en fait utiliser ce get que cette personne a écrit pour divorcer sa femme. Qu'il n'aurait pas besoin de réécrire un nouveau get. Moi, elle dit, pas sous le garesh bo. On n'a pas le droit de l'utiliser ce get pour divorcer, pour que l'autre personne divorce sa femme. Donc Agmar, elle dit, pourquoi en fait? Parce qu'il faudrait que quand on écrit un get, il faut qu'il soit destiné pour la personne pour laquelle on l'a écrit. Et donc, la même chose pour la sota. La Gemara, elle dit, comment Rav Achei Bar Yoshia, il permet d'utiliser une paracha de sota qui est écrite pour Rachel, il permet d'utiliser pour Léa. Pourtant, on a vu dans le guet qu'il faut écrire pour la personne, il faut que ça soit pour la personne qu'on l'a destinée. Et donc, quelle est la différence entre le guet? La Gemara, elle dit, Achi Ashta, regarde maintenant, c'est différent. Hatam, le katavla ktiv. Là-bas, au sujet du get, il est écrit dans le pasouk, le katavla. Il va écrire pour elle un get. Bainan, ktiva lishma. Il faut que l'écriture du get soit lishma pour le nom de cette femme, pour la femme qui veut divorcer. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire passer à une autre femme, même si c'est le même nom. Acha, mais ici, alors que ici dans la sota, Vasala active, Bainan Asiya Lishma. Ici, il y a écrit Vasala, il va lui faire, qu'est-ce qu'il va lui faire? Il ne faut pas que l'écriture soit Lishma. Il faut que l'action soit Lishma, soit pour la femme qu'on veut lui destiner, qu'on veut lui faire boire. Asiya Dida Mechikai. C'est quelle action? On parle de l'action qu'on efface en fait la paracha dans l'eau. Ça, il faut que ce soit pour la femme qu'on veut lui faire boire. Mais il n'a pas besoin que l'écriture de la paracha de Sota soit sur le nom de la femme qu'on veut lui faire boire. Donc c'est pour ça que lui, Rav Achei Bar Yoshia, il pense qu'il n'y a pas de problème de faire passer la paracha de Rachel pour faire boire pour Léa, en fait, qu'on va juste, il faut que ce soit effacé sur le nom de la femme qu'on va lui faire boire, mais il n'y a pas besoin que ce soit écrit la paracha de Sota sur la femme qu'en fin de compte va boire. Amar Rav Achei Bar Chanina. Rav Achei Bar Chanina, il dit, Galou Beyadoua Lifnemi Shamar Vaya Olam,
c'est dévoilé devant celui qui a dit et que le monde s'est créé, c'est-à-dire devant Hachem. Comme dans la génération de Rabbi Meir, il n'y avait personne qui était tellement grand comme Rabbi Meir. Pourquoi quand même la halakha n'a pas été fixée comme lui? Parce que en fait, ses amis, les autres Talmidei Chachamim, ils ne pouvaient jamais comprendre le fond de ces idées. Et Shaya Omer al Tame Taor ou Marel Opanim, al Taor Tame ou Marel Opanim, il avait la force en fait, même de dire sur quelque chose de Tame, de dire qu'il était Taor et d'expliquer jusqu'au bout, et même de dire sur quelque chose qui était Taor, de dire qu'en fait c'était Tame, et quand même Marel Opanim d'expliquer la logique, et donc il avait une force de tellement spéciale qu'en fait on ne pouvait jamais savoir est-ce que Bémet c'était une logique qui était vraie, ou bien c'est une logique qu'il arrivait à nous expliquer alors qu'en fait c'était pas vrai. Tana, le Rabbi Meir Shemo, c'est pas son vrai nom, c'était pas Rabbi Meir, la Rabbi Nehorai. Rabbi Nehorai, c'était Rabbi Nehorai Shemo. Voilà Manikra Shemo Rabbi Meir, pourquoi on l'a appelé Rabbi Meir? Shehu Meir et Nechachamim Balacha, en fait il éclairait les yeux des Chachamim dans la Halacha, et donc c'est pour ça qu'on dit Meir qui éclaire. Voilà Nehorai Shemo, il continue, on dit, et c'est pas son vrai nom, en fait c'était pas, même pas Nehorai, la Rabbi Nechemia Shemo. D'Amrela Rabbi Elazar Ben Arach, il y en avait qui disaient que c'était Rabbi Elazar Ben Arach Shemo. Et pourquoi on a appelé son nom Nehorai? En fait, il y a aussi une autre façon, qu'il éclairait aussi les yeux des Chachamim dans la Halachot avec sa Chochma. Amar Rabbi dit, Aide Mechadadna Mechavrai, la raison pour laquelle je suis plus aiguisé que mes amis, de Chazitel et Rabbi Meir Mahoré, parce qu'en fait j'ai vu Rabbi Meir de derrière, et le simple fait que j'ai vu même par derrière, c'est ça qui m'a donné cette chorma spéciale. Veilou Chazitel Nikame, et si je l'avais vu de sa face, avant Mechadot Netfe, j'aurais été encore plus aiguisé. Dichtiv Vayu Anecha Roat Morocha, comme ce que le pasuk nous dit, et tes yeux vont voir tes morim, tes enseignants, et en fait, parce qu'en fait quand on voit la face de la personne qui nous enseigne, en fait, on voit en fait sa façon de parler, les mouvements qu'il fait avec les yeux et la bouche, etc. Et on peut comprendre plus de façon plus profonde sa kavana, son intention de ce qu'il veut nous faire passer dans ses enseignements. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan. Talmid echad ayalo le Rabbi Meir, c'est Sumchus Shemo, donc Rabbi Meir il avait un talmid qui s'appelait Sumchus. Shaya Omer, al kol davar ve davar shel Touma, 48 tamé, Touma. Sur chaque chose qui était tamé, il expliquait 48 raisons pour lesquelles c'était tamé. Al kol davar ve davar shel Tahara, et sur chaque chose qui était Tahor, il expliquait 48 tamé Tahara, 48 raisons pour lesquelles c'était Tahor. Donc il avait une telle chokma. Tana, Talmid Vatik Ayav Yavne avait un ancien Talmid chez Ayavne, Shayam et Taher et Tacheret Bemea Vechamishim Tamim, que lui en fait il avait une telle force que la Torah l'a rendu tamé, lui il en fait il arrivait à donner 150 raisons pour lesquelles il faudrait quand même rendre Tahor le Sheret, alors que c'est pas vrai. Mais en fait il avait une telle force qui pouvait en fait donner 150 raisons pour dire que c'était Tahor. Amar Ravina lui dit, Ani Adun Vatarin, moi je vais essayer de donner une raison pour laquelle il faudrait quand même le rendre Tahor. Bien que ce n'est pas vrai. Uman Achash Shememit Umerabe, et ici déjà le serpent. Shememit Umerabe Touma, que le serpent en fait il tue la personne et il ramène beaucoup de Touma dans le monde. Tahor, et quand même lui, le Nahash, il ne fait pas partie des insectes tamés, et lui, il est Tahor. Même quand il meurt, il est Tahor. Sheret, il y a une mémitum arbetuma. Le Sheret, que lui, il ne tue pas les gens. Les Shratim, les 8 Shratim insectes qui sont tamés, c'est pas des insectes qui tuent. Et donc, il ramène pas beaucoup de Touma dans le monde. Lokol Sheken, Kalvachomar, que lui, il devrait être Tahor. Donc, en fait, c'est une raison pour rendre Tahor le Sheret. Que Ravina il voulait ramener, alors que Bémet, le Torah, il dit explicitement que le Sheret est tamé. Agmar, elle repousse cette Kalvachomer, elle dit Veloï, et c'est pas vrai, Maase Kotz Be'al Makaravid. Le serpent, le fait qu'il tue les gens, c'est pas une raison
ça n'aurait pas été une raison de le rendre de plus de le rendre tamé lui-même, du fait qu'il ramène beaucoup de Touma dans le monde. Parce que c'est comme un kot, c'est comme un ortie qui tuerait une personne. En fait, on ne me dit pas que c'est une raison de rendre tamé le kot qui a tué la personne, parce qu'il peut tuer les personnes. C'est pas une raison, c'est aucun rapport. C'est vrai qu'il peut tuer, ça peut tuer, mais c'est pas une raison de lui donner de la Touma. C'est pour ça que le serpent, il n'a pas de Touma, bien que lui, il ramène de la Touma dans le monde. Amar Rabbi Abba, Amar Shmuel. Rabbi Abba, il dit au nom de Shmuel. Shalosh anim et chelku. Bet Shammai ou Bet Hillel. Pendant 3 ans, il y avait une machloket entre Bet Shammai ou Bet Hillel. C'était quoi leur machloket? Alalu omrim alacha kemotenu, alalu omrim alacha kemotenu. Chacun disait qu'il fallait être possèque la halakha dans toutes leurs machlokot, comme lui-même. Donc en fait, ils avaient une machloket aussi, comme qui être possèque la halakha. Mis à part toutes leurs machlokot qu'ils avaient dans tout le chat, ils avaient une machloket comme qui doit être la halakha. Yatsa bat kol v'amra. Est sorti une bat kol et a dit, Elou ve'elou divrei Elokim chayim. Et les paroles de Bet Shammai et les paroles de Bet Hillel, c'est des paroles d'Hachem vivante. Les deux, en fait, c'est des paroles d'Hachem. Donc les deux sont des paroles d'Hachem, ve alacha ke Bet Hillel. Mais quand même, la alacha elle est comme Bet Hillel. Comme ça, elle a dit la batkol. La Gemara pose la question, ve melchim achar she'elu ve'elu divrei Elokim chayim, mipnei ma zachu Bet Hillel likvor alacha kemotam. Puisqu'on a dit que bemet les deux, et les paroles de Bet Shammai et les paroles de Bet Hillel, c'est des paroles d'Hachem, alors en quoi Bet Hillel ils ont eu le zchout que quand même on a fixé la alacha comme eux. La Gemara dit, mipnei she'nochim ve'aluvim ayu. Parce qu'ils étaient agréables et patients. Veshonim, divrehem, vedivre Bet Shammai, et ils enseignaient et leurs paroles, et les paroles de Bet Shammai. C'est pas qu'ils enseignaient que leurs paroles. Ils enseignaient aussi la vie de Bet Shammai, qui n'était pas d'accord avec eux. Velohod, non seulement ça, et là, mais aussi, chez Makidimin, divre Bet Shammai, vedivrehem, qu'en fait, ils enseignaient les paroles de Bet Shammai, la vie de Bet Shammai, avant leurs paroles, avant leur avis. Et donc, en fait, avec ce scrout-là, ils ont été zoché qu'on soit possèque la lacha comme eux, qui est otash et chaninou, comme ce qu'on a vu dans une Mishnah dans Masechet Souka, que là-bas ils ont cité Bet Shammai avant eux-mêmes, que la Mishnah là-bas elle dit Mishai a roshov rouba basouka, peshulchano betoch habayit, celui que sa tête et la majorité de son corps se trouvait dans la souka, mais sa table se trouve dans la maison. Donc en fait, lui il est à la frontière de la souka et la maison. Et lui, il est dans la souka, et la table, elle est à la maison. Shammai poslim, Shammai, ils disent que c'est pas soul. Bien que lui, il est dans la souka, c'est pas soul parce qu'on craint qu'il va se pencher à la maison. Bet Hillel marchirim, et Bet Hillel, il rend kasher cette souka, et cette souka. Amrou, Bet Hillel et Bet Shammai, Bet Hillel, ils ont dit à Bet Shammai, l'okachayama assez, n'est-ce pas que c'était ça l'histoire, shalchou, zikne Bet Shammai, zikne Bet Hillel. Que les genim de Bet Shammai et les genim de Bet Hillel. Donc ici, on voit, ils ont cité Bet Shammai avant Bet Hillel. C'est Bet Hillel qui parle et ils citent Bet Shammai avant Bet Hillel. En tous les cas, ils sont allés les vieux de Bet Shammai et les vieux de Bet Hillel les vaquer et Rabbi Yochanan ben Achoranit. Ils sont allés visiter Rabbi Yochanan ben Achoranit. On met ça où ils l'ont trouvé pendant Soukot, Yoshev, Roshov Rouba Basouka, Meshulchanon Betochabait, ils l'ont trouvé qu'il était assis de cette façon-là, que son corps, la majorité de son corps, il était dans la Souka et la table, elle était dans la maison, et de cette façon-là, il mangeait. À Marlène. Et donc, en fait, on voit que Rabbi Yochanan, il était assis de cette façon-là. Et donc, Bet Hillel, ils disent, tu vois qu'on a le droit. À Mroulain Bet Shammai, Bet Shammai, il aurait répondu, Misham Raya, de là-bas, tu m'amènes une preuve. Afen Amroulo Bemet, ils lui ont dit, là-bas, c'est quoi la suite de l'histoire? Qu'ils lui ont dit, à Rabbi Yochanan Ben Achorénit, quand ils l'ont vu, qu'il était assis comme ça, Imka Haitanoeg, si tout le temps tu faisais, toutes les années, toutes les soukot, tu étais assis de cette façon-là. Tu n'as jamais accompli la mitzvah de Souka. En tous les cas, on voit là-bas que, en fait, Bet Hillel, ils ont cité Bet Shammai avant eux-mêmes. Et la mitzvah, ça vient nous apprendre. Ça, chez Kol HaMashpil Atmo, Akadosh Baruch Hu Magbio. Tout celui qui s'abaisse, Hashem, il l'élève. Et Kol HaMagbia Atmo, tout celui qui essaye de s'élever et de se prendre du kavod, Akadosh Baruch Hu Mashpilo, Hashem, il l'abaisse. Et tout celui qui recherche la grandeur, Gdoula borachat memenu, la grandeur va s'écarter de lui. Tout celui qui s'échappe et qui
et qu'il s'éloigne de la grandeur, du kavod, gdula mechazel et pecharav, la grandeur va aller le rechercher là où il est. Tout celui qui essaye de devancer l'heure, c'est-à-dire il veut s'enrichir et il essaye de toutes les façons pour laquelle s'enrichir, alors qu'il voit que ça marche pas, quand même il essaye de devancer le moment. Alors là, Shah Dohakto, le moment va le repousser et il va pas réussir à s'enrichir. Tout celui qui attend l'heure, qui attend le moment et qui repousse ses envies devant le moment, s'il voit qu'il essaye et ça marche pas, en fait il attend que le moment arrive. Shah ou Medetlo, ben mettre comment va arriver son moment, que Hachem il a été gozer celui qui va pouvoir s'enrichir. Alors là, le moment va arriver pour lui et il va s'enrichir à ce moment-là. Tanu Rabbanan, shtei shanim u'mechta nechleku Beit Shammai u'Beit Hillel. Pendant 2 ans et demi, il y a eu une machloket entre Beit Shammai u'Beit Hillel. Alalu omrim, les uns ils disaient, Noach lo l'adam, shelo nivra yoter mi shenivra. C'est mieux pour l'homme qu'il ne soit pas. Ça aurait été mieux pour l'homme qu'il ne soit pas créé plus que qu'il a été créé. Pourquoi? Parce que quand il est créé, en fait, il a une guerre tout le temps entre lui et le Yetzer Hara. Et donc, ça aurait été mieux qu'il ne soit pas créé. Vahalalu Omrim et les autres, ils disaient, Noachlo l'Adam Shinivra Yoter Michel Nivrak. Quand même, c'est mieux pour l'homme qu'il soit créé plus que qu'il n'aurait pas été créé. Parce qu'en fait, de cette façon-là, il peut faire des mitzvot et des ma'asim tovim et s'élever de cette façon-là, faire le ratzon d'Hachem. Nimnu vegamru, après les 2 ans et demi, ils se sont comptés et ils ont en fait été posek la halakha. Noachlo l'adam, shelo nivra yoter mishinivra. Que behemet, ça aurait été mieux pour l'homme qui ne soit pas créé pour éviter en fait cette guerre qu'il y a tout le temps entre la personne et le Yetzer Hara. Mais Arshav Shinivra, mais une fois qu'il a été créé, qu'il a quand même été créé, il fashpesh bemaasav, il devra tout le temps vérifier ses actions qu'il a déjà faites. Est-ce que c'était, il y avait des averot, et s'il y a des averot, faire teshuva. V'amaglayan avec qui disait, il mashmesh bemaasav, il va vérifier ses actions qu'il va faire au futur, qu'il compte faire, et qu'il va chercher dans chaque action avant qu'il, chaque acte avant qu'il le fasse, il faudra qu'il vérifie est-ce que Bémet c'est un acte qui est une mitzvah, c'est un acte qui va faire un kiddush Hashem, ou bien au contraire, ça va être une avera ou un chilul Hashem. Et donc là, ça c'est ce qu'ils ont conclu en fait après les 2 ans et demi de Machloket. On va juste commencer la Mishnah. La Akorah Amru, donc la poutre en question qu'on a dit qu'il fallait mettre pour en fait couper le Mavoy du Reshut Arabim et pour qu'on puisse transporter dans le Mavoy. Donc cette poutre-là, Rechava Kedenekabel Ariach, il faut qu'elle soit large pour qu'elle puisse en fait retenir puisse poser dessus un riach, un riach c'est une certaine pierre, une certaine brique. Ve riach hati levena shel shlosha tfachim, et la riach en fait elle était large la même largeur que une demi brique de 3 tfachim, c'est-à-dire un tefach et demi. Et donc daya le korach était rechavat tefach kedel le kabel Ariach le rochbo. Il suffit que la kora, la poutre, soit large d'un tefar pour qu'elle puisse tenir le ariach en question dans sa largeur. Dans la largeur, en fait, la Gemara va poser la question. Pourtant, c'est un tefar et demi qu'il faut. Parce que la moitié d'un ariach de 3 tefachim, c'est un tefar et demi. C'est pas un tefar. Donc, pourtant, il suffit d'un tefar. La Gemara va expliquer ça. La Mishnah, elle continue. Rechava kedenekabel ariach, il faut qu'elle soit large, qu'elle puisse tenir ce ariach en question. Ou bria kedenekabel ariach, il faut aussi qu'elle soit assez solide pour qu'on puisse poser dessus cette brique en question. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda a dit, Rechava afalpi she'en bria. Il faut juste qu'elle soit large, cette largeur, mais même si elle est très faible, c'est une kora, une poutre qui est très faible, et que elle ne peut pas retenir. Si on met dessus une pierre, ça va se casser.
quand même, il n'y a pas, c'est kasher. Et comme s'il continuait, il dit, Aïta shel kash veshel kanim, même si elle était, cette poutre-là, elle était large, en fait, dans tes phares, mais elle était faite en roseau ou en foin, on la considère comme si elle était en métal et qu'elle était assez solide. C'est une façon de dire que c'était kasher. Mais et il continue, il dit Akuma, même si elle est penchée et qu'en fait ça ne peut pas tenir dessus une brique, on la considère comme si elle était droite et que ça peut, et c'est kasher. Agula, si elle est même arrondi et que en fait ça peut pas tomber, ça peut pas tenir dessus quelque chose, la brique ne peut pas tenir dessus. On fait comme si elle était carrée et que pouvait tenir dessus une brique. En fait, il veut dire par là que c'est juste un chiour de largeur qu'il faut dans la poutre, mais pas que Bémet il faut que ça soit apte à poser dessus une brique. Et la Mishnah elle termine, elle dit Kol sheyesh b'hikfo shlosha tefachim yesh bo rochav tefach. Toute chose. En fait, la Korah il faut qu'elle soit large dans tes phares. Et la Mishnah, elle dit, puisqu'on a dit que même si c'est rond, ça marche, et que Rabbi Yehuda, il pense que même si c'est rond, ça marche, et on considère comme si c'était carré, maintenant, quel rond, la mesure d'un rond pour savoir, en fait, est-ce qu'il y a un tefar, kol sheyesh bo hikfo shlosha tefachim, si tu as tout rond qui fait, en fait, trois tefachim de pourtour, yesh bo rochav tefach, en fait, ça veut dire que forcément, il a la largeur dans tes phares, c'est pas une mesure exacte. La Gemara va expliquer, elle va dire c'est quoi la mesure exacte, mais c'est environ chaque rond de 3 tefachim, de pourtour de 3 tefachim, est fait une largeur, un large. Il est large dans tes phares, et c'est ça qui va être kasher pour mettre une korah d'après Rabbi Yehuda, parce qu'on va le considérer bien qu'il est rond et qu'il peut pas, on peut pas poser dessus une brique, on va le considérer comme si qu'il était carré, et ça sera kasher pour faire le mavoï. Pour fermer le mavoï et le séparer du Rishut HaRabim pour qu'on puisse transporter à l'intérieur. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak u'baruch. Hashiur lo haezantem huklat v'ne'erach avurchem al yedei kol halashon. Atem muzmanim lehamshich ulehazin bechol shaa lashiurim v'hadrashot bechol hatchumim u'mikol harabanim bechol halashon.